façon, j'ai plus le PS Plus, donc pour jouer à mes jeux, c'est mort. Bon, mais moi je vais vous laisser là. Que ciao! Zeus. Du coup, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est ce que l'on va faire. C'est pas du tout. Alors déjà, faut que je récupère ma télécommande pour la console. Alors, je suis branché sur la Xbox Series. Je vais voir vite fait ce qu'il y a sur ma PS5 qui est déjà téléchargée. On va pas faire le Spider-Man tant que. Oh, quoique. Je sais pas, on va voir ce que j'ai. J'ai Spider-Man, Miles Morales, j'ai ça. Ça je peux plus le faire, ça je peux plus le faire, ça je peux plus le faire. En fait, la majorité. 90% des jeux que j'ai, je ne peux plus les faire vu que j'ai plus le PS Plus. Comment dire que j'ai le démon. Bon allez, on va partir sur Spider-Man. De Skyrim, bien sûr. Je vais me remettre le son du jeu de mon côté aussi. Le chat d'activer, non. J'aime bien parce que le logo de X a déjà été changé, mais le truc s'appelle toujours Twitter, donc et des barres de reste. Encore un an, j'avais une vie à peu près normale. Je vivais dans le quartier le plus cool du monde. Brooklyn. Représente. J'avais deux parents super, et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé, quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May étaient là pour moi. Et Spider-Man aussi, qui n'était autre que Peter. C'est fou, hein? Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup de main. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Et j'ai commencé à changer. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. C'est lui qui m'entraîne, et je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, ma nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Ah d'accord, c'est un précédemment dans le... D'accord, c'est même pas genre le précédemment dans, le... dans la sauvegarde que j'ai fait avant. Non, non, c'est précédemment dans le jeu d'avant, quoi. C'est... D'accord, super. Du coup...
Bienvenue pour ce nouvel épisode, pour ces nouveaux épisodes de Miles Morales. Alors, la dernière fois, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais fait un petit sondage pour savoir quel costume on allait prendre pour Miles. Et il me semble que, à peu de choses près, le gagnant c'était la tenue de Capuche Écarlate. T'inquiète pas, vous allez bientôt avoir un écran noir, c'est normal. Du coup, le costume écarlate, voilà, on va le mettre. Je le trouve un peu spécial, je vous avoue, le costume, mais bon, je le trouve plutôt classe, malgré tout. Du coup, on va faire un peu comme les dernières fois, on va... Salut mon chéri, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, c'est juste une petite course. Encore? Miles, tu travailles comme un acharné. Essaye de te ménager des moments de repos quand même. C'est ce que je fais. Je passe du temps avec Ganky à sampler de la musique. Toujours à faire du sport, parti pendant des heures pour étudier. Je veux bien arrêter de te dire quoi faire, mais je m'inquiète pour toi, micro. Je me sens vraiment naze là. Je passerai plus tard. Je saurais te le rappeler. Allez, je te laisse. Bisous. Adios, ma. Te quiero. Hey, Dan. Dan, c'est... Et en plus, il y a un crime en cours. Allez, toi tu bouffes. Roxanne 0, Spider-Man, j'ai perdu le compte. YOLO. Ça c'est vrai? Un été? On était à fond dans les voyages dans l'espace et on s'est mis à lyophiliser nos plats préférés. Le bagel œuf fromage bacon était un échec complet. Mais la glace aux haricots rouges, c'était pas mal. Ça devait être spécial le goût. Ah oui, alors par contre, je suis en train de voir qu'il y a une égalité avec la tenue de track et la tenue du dessin animé, étant donné que je vais faire du coup un deuxième costume après. Dans la seconde partie, ça va être compliqué. Winter, si t'as pas voté. Attends, t'avais déjà voté, je crois, non? Voir les réactions. Non, c'était Setan, Nako et Panda. Donc, Winter, si jamais t'es encore là, je t'invite à voter pour l'un des deux entre la tenue track et la tenue de dessin animé. Non, non, je viens de regarder, t'avais pas voté. C'était l'Everest pour nous à l'époque. On était tellement contents le jour où on est monté tout en haut.
On s'est toujours demandé de quoi était fait le marteau de Thor et ce genre de truc. Et on inventait nos propres éléments pour l'expliquer. Finn trouvait toujours les meilleurs noms. Ah, il y a un crime par là-bas. Lolo. Cette histoire de prisonnier en fuite qui peut être... Ah, c'est enfin le moment qu'on attendait tous. Faut que j'aille voir ça. Et on va écraser l'araignée. Bon, les gars, vous voulez pas poser vos armes et discuter cette fois? Non? Ok. Quand tu retourneras en prison. Hello. Hop, il y a encore un truc de rocks, de l'underground plutôt. On dirait que l'Underground cache quelque chose ici. Hé, hey, oncle Aaron, comment ça va? Hé, hey, alors, t'as amélioré ton jump shot? La dernière fois, on a fait quelques paniers, tu te souviens? Tu t'es entraîné depuis? Je fais du basket à l'école. Mais je dois faire super gaffe avec mon côté araignée. Sérieux? Je suis sûr que t'as déjà oublié tout ce que je t'ai appris. Les pieds bien ancrés, on cherche l'équilibre et on accompagne le mouvement. T'as oublié que j'ai des pouvoirs maintenant? Je te mets ta raclée sur le terrain quand tu veux. Oh, tu veux passer à la pratique? Je t'attends, le vieux. Voilà. Oh, j'espère que t'es pas que de la gueule. La prochaine fois, promis, je te fais ta fête. Du coup, Winter, si jamais tu cherches le sondage, bah il est dans le... dans les... sondages, je suis un chez... Quelqu'un risque de prendre une balle perdue si ça continue. De rue interrompue. La fille peut reprendre son coup. Bien joué, c'était genre Gwen ou MJ, mais. On sait même pas si elle existe, Gwen, dans cette... cet univers. Que l'Underground cache quelque chose ici. Ah,
un quai à signaler une course-poursuite. Je t'envoie les infos. Ça va mal finir si j'arrête pas ce véhicule. Arrêtez-vous. Allez, continuez. Pour qu'on passe la frontière de l'État. Je me rappelle pas si toutes ces tenues de Miles existent vraiment dans les comics. J'ai pas eu la chance d'avoir les comics à l'époque, donc... Il faut que je t'avoue un truc. Tu t'es fait mordre par une araignée et depuis t'as des super pouvoirs. Non, c'est pas... Enfin, oui, mais... Bon, pendant que tu faisais la grasse mat, disons que j'ai un peu joué à Spinonagon. La bite que je t'ai envoyée au printemps dernier, ou... La version qui est sur ton ordi. Non, celle-là est pas prête. C'est un portrait complet. Moi, je l'ai trouvé trop. J'ai adoré le moment avec les dos des cadres éclatés. T'as atteint le troisième niveau? Ouais. Pourquoi? T'as battu ton meilleur score? Non, ça devrait pas être possible. J'ai supprimé ce niveau parce qu'il faisait cracher le jeu. Oh. Faut que j'aille tester des trucs. A plus. YOLO. En fait, à ce rythme-là, je pense même que je suis parti pour... Attends, ça faisait quoi? 2 heures? Ok, donc ça fait 10 minutes, une quinzaine de minutes que je suis dessus. Localisation en cours. J'ai le signal. On se dépêche. Afficher ce logo sur un panneau publicitaire, c'est une provocation de malade. Et bingo! L'underground. L'affichage devrait être rétabli maintenant.
Je rêve dans, vraiment dans Spider-Man full VR. Trouve pas le salon pour les votes. Ah, c'est demander sondage, Winter. Ici sans que personne s'en aperçoive. Impressionnant. Gagné, mais j'ai un autre crime, une vente d'armes. Ouais, je regarde ça pas. Je doute pas que cette vente d'armes soit parfaitement légale. Merde, c'est Spider-Man! Balancez le matos! Spidey m'a dit de tirer pas. Ça suffit, les affreux! C'est demandé si gentiment. Je laisserai pas Roxanne écouler ses armes. Quartier, parole de Spidey. Filtration. Ne laisse pas te tromper par les mousses rouges. La furtivité est très importante dans ce défi. Dans ce défi, tu dois éliminer tous les ennemis sans qu'ils te voient. Plus tu seras rapide, plus tu marqueras de points. Accroche-toi au point de départ pour commencer. Ok.
Épreuve de furtivité. En avant. J'ai l'impression d'avoir vu d'autres types là-haut. Si je me fais voir, c'est plié. Je dois rester. Patrouille. Son mec gusto. Je pense pas qu'il m'ait vu. Non. C'est bon. J'adore être furtif. C'est comme jouer à cache-cache avec les méchants. Je m'éclate. Quand tu transformeras en papillon, tu vas toujours pas faire. Je ferai jouer ça. C'est l'heure de la pause. Il a failli me voir. Ah bah, c'est mon repéré. Ah, ils m'ont repéré ça ? Presque. Je l'aurai la prochaine fois. Oh la vache. Ok. Oh non, c'est ça. C'est quoi ? Perturbation auditive détectée. Perturbation potentielle détectée. Relevé anormal détecté. Début des recherches. Lancement des routines de recherche. Voilà.
les parents dans l'air. Maintenant que tu maîtrises les techniques de ninja, tes ennemis mettront plus de temps à te repérer. Amuse-toi bien. Technique de ninja, ça claque. Ouais, tu sais claquer, moi. Ça, c'est beau. Tu pourrais me faire quelque chose d'utile. Mais mon pote, j'ai pas le temps. Il faut absolument protéger le chauffeur de la piste. Je crois qu'ils ont appelé leur copain. Okay. Je peux pas m'arrêter maintenant, ça va pas non? Ils sont encore là. Vous êtes blessé? Je vais bien. J'ai de la chance que Spider-Man m'ait sauvé. Derrière mon pote. Et gratos. Ah, là la tour des Avengers. Et hop, un petit cadeau en prime. Je me demande où ils sont. Peut-être pas savoir en fait. Donc, à mon avis, ils volent chez Roxxon, peut-être chez Oscorp. Peut-être dans la tour Stark, je pense pas honnêtement. Je me dirai.
sonne zéro. Spider-Man, j'ai perdu le compte. On voit-il. On a visité Oscorp quand on était en quatrième. Finn se méfiait d'eux. Elle disait qu'un jour, ils allaient détruire New York. Ils ont bien failli avec le souffle du diable. Oui. Ouais. Salut les amis, et bienvenue... C'est vrai que je l'ai pas entendu en entier celui-là. Vous le savez peut-être, je soutiens officiellement la candidate Rio Morales aux prochaines élections spéciales. Et aujourd'hui, je l'interviewe. Oui, ravie de vous avoir, Madame Morales. Merci de m'avoir invitée. J'adore votre émission. Oh, merci. Vous vous présentez contre le candidat sortant de votre quartier. Que pensez-vous faire de mieux ? Contrairement à mon adversaire, j'habite ce quartier et j'entends la voix des gens qui y vivent depuis toujours. Je veux qu'Harlem redevienne le quartier vivant et solidaire que j'ai connu toute ma jeunesse. Le conseiller municipal actuel a laissé construire Roxon Plaza. Et rien que ça, ça devrait faire réfléchir ceux qui voudraient voter pour lui. Entièrement d'accord. Question suivante. Vous êtes professeur de sciences à plein temps. Pourquoi vous lancez dans la politique ? J'aime ce quartier, et tout ce que je veux, Winter, c'est me battre compris. Pour lui. Quand Martin Lee s'est attaqué à l'hôtel de ville, mon mari a donné sa vie pour protéger ses concitoyens. Je tiens à honorer sa mémoire en me battant pour mes amis et mes voisins, du mieux que je peux. Bonne chance pour le vote, et merci d'avoir participé à l'émission. Danny Fans, posez toutes vos questions à la candidate Morales sur mon blog pendant l'heure qui vient. En attendant la prochaine fois, pratiquez la respiration méditative une minute par heure. Ça libère l'esprit. Si, si. Allez, à plus. Hunter, t'as pas compris. Quand je te disais d'aller voter, c'est pas pour le truc que j'ai déjà activé. Donc tu choisis soit la tenue de track, soit la tenue de dessin animé. Ça permet de stocker un deuxième coup de grâce. Diminue le nombre. Combo nécessaire pour... Un coup de grâce à 10. Vous pouvez désormais éliminer les ennemis spéciaux avec deux coups de grâce. Agrandis la zone d'effet de l'électro-marteau. Ah, apparemment j'ai débloqué de nouvelles choses. Alors, lors d'un scan, les ennemis sont marqués à travers les murs et le reste aussi longtemps que le mode furtif est déclenché, est enclenché. Augmente la fenêtre de esquive parfaite, ça m'arrangerait beaucoup. Augmente les chances d'obtenir des munitions de gadgets. Ouf. Lors d'un scan, une ligne relie un ennemi à tous les autres ennemis qui peuvent actuellement le voir. Oh, ça me plaît ça. L'énergie résiduelle après une attaque bioélectrique réussie devient visible et peut être absorbée au contact pour générer plus de puissance bioélectrique. Hein ? Active automatiquement le camouflage juste avant d'être repéré pendant les combats furtifs. Oh ! Les ennemis n'entendent plus les émissions frappes de toile quand le camouflage est actif. Oh, ça clairement. Voir. Les attaques après une esquive parfaite infligent 50% de dégâts supplémentaires. Génère une petite quantité de santé à chaque coup porté sur les ennemis paralysés. Chaque sixième coup d'un combo paralyse l'ennemi. Ça, ce sera peut-être bien pour le boss de fin, peut-être. Selon ce que c'est. Les attaques de mêlée génèrent un bonus de temps de camouflage à chaque coup. Okay. Augmente toutes les munitions de gadgets de 1. En vrai, le sixième coup paralyse, je dirais. En vrai. Thank you.
Remplacer ce mode de tenue, maillage, induction, gérer une petite quantité de santé à chaque coup porté sur l'ennemi. Oui. Distance au dégât de 25%. Ouf. Est-ce que j'ai débloqué de nouvelles tenues? Non, j'ai pas assez de jetons d'activité. Ah, va falloir que je me dépêche. Ah bah. On va récupérer. Il m'en manque. Underground deviennent incontrôlables. Kouniafier ? Ok, c'est ça. Voilà ! Je sors du bot ! Alerte ! Un vol de voiture vient de se transformer en course-poursuite. Ça ira. C'est vrai que ça me régénère de l'énergie quand ils sont paralysés. Bon, on va peut-être aller faire un peu de quête principale. Ouais. On va aller voter, Winter. Allez mon pote, top là. Les labos de recherche de Roxov. Allez Winter. Allez! Non, je te troll. Le téléphone est quelque part là-dedans. Prends ton temps, hein, il me reste. Il te reste une vingtaine de minutes. En gros. Quand ce conduit a un bouclier à haute tension, qu'est-ce qu'il alimente? Faut que j'arrive à le désactiver. Dans le bâtiment. Surcharge. Oh. L'énergie absorbée a fait griller le générateur. J'en reviens pas que ça ait marché. Et c'est le même que celui que t'as voté en Winter. Sauf qu'il faut que tu changes ton vote. Me faufiler dans un labo rempli de gardes armés. Faut que tu choisisses entre le. Noël, c'est plus que c'était. Entre le 2 et le 3. Être à la maison, à comater, jouer à plein de jeux vidéo et me gaver de biscuits en pain d'épices. Sérieux. C'est par où?
tourner en rond. La personne qui a conçu ça devait pas avoir les idées claires. Ah ouais, d'accord. D'après le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. Oh, t'inquiète. Oh oh. Il y a une intrusion dans le système d'échappement. Si c'est l'Underground, descendez-les. Spider-Man ou toute erreur. Mon Claron, c'est toi le rôdeur? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parie que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute, j'ai bossé pour Roxxon il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors aide-moi. Aussi têtu que ton père. D'accord, mais on fait ça à ma façon. À un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Mine télécommandée. Certain si ça tourne mal. Te fais pas prendre. Et voilà. Tu vois ce qu'on lui avec la protection laser? Comment t'as fait ça? J'ai déjà eu affaire à ce genre de système. Concentre-toi. C'est le moment d'essayer les mines télécommandées. Qu'est-ce qui cloche avec les caméras? Sans des coupures? Non, ça c'était à Harlem. Reno a flagué toute une centrale électrique. Ça aurait pu toucher. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Un téléphone. J'ai tracé le signal. Ça venait d'un sous-sol, loin de la surface. Le point le plus bas du bâtiment est dans le fond du silo du réacteur. C'est là que je dois aller. Sans mal, j'ai dit discrètement. Désolé, j'ai pas pu résister. Alors. Hey, où est le uniforme que j'ai demandé? Oh, on essaie d'en fabriquer plus, mais Mason ne nous a laissé aucune note. Et eh bien, il paraît qu'une Winter, uniforme a... entre le 2 et le 3 sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas? Si, Monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que, sans elle, il sera impossible d'être fait dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentil, dégagez d'ici. Et retournez dans votre labo pour faire votre travail. Ah. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis? Pour te protéger. Tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu. Sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises ces gars. J'attends les ordres. C'est du mouvement. Oh ma terre! On a un intrus! C'est quoi ça?
merci. Le silo se trouve de l'autre côté de ce mur blindé. Sers-toi de ce terminal pour l'ouvrir. Attends un peu. D'autres labos dans la ville ? Et ils contiennent tous un réacteur à Nuform. Le Nuform m'a rendu Rick malade. Je dois les arrêter. Concentre-toi. Trouve le téléphone et sors de là. Le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne te fais pas prendre. Roxxon ne pouvait pas trouver pire quand ça fume. YOLO. Bam. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la pause. J'appelle juste pour voir si t'es pas blessé. Ou bien mort. Merci. En fait, j'ai mon oncle qui me file un coup de main. Le gars qui travaille dans le métro ? Ouais. Figure-toi que c'est aussi le rôdeur. Mais une longue histoire. Attends. Le rôdeur ? Le voleur dans son costume violet ? L'ancien voleur. Fais pas équipe. C'est temporaire. Ton oncle est le rôdeur ? C'est dingue. C'est complètement dingue. Je sais. Je dois te laisser, Ganky. On en parlera. Câble au-dessus du ventilo et il devrait s'arrêter. Merci. Les commandes du ventilo. D'accord, faut les tenir en place. Oui. Et maintenant les câbles. Oui. Qu'elle nous a caché. La batterie est déchargée. Qui explose pas. Cool. Bon. Caméra, vidéo. La voilà. Ok. Faut être deux pour neutraliser le noyau. Alors. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le Nuform. Ça t'embête pas ? De détruire ta création. T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Prêt ? Ouais. Lancement du forçage dans 3... 2... Finn ! C'était pas moi !
sabotage industriel. Sérieusement. Personne ne se souciera de quelques pauvres idiots malades. Ingénieur mort. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Oh bah alors toi mon con. Tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter. Sauver les gens. Et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aaron, tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es ? Pourquoi ? T'as le téléphone. On dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, Oncle Aaron. S'il te plaît. Oncle Aaron ? D'accord. Écarte-toi. Merci, mon oncle. Comme les générateurs dehors, mais... Carrément. En beaucoup, beaucoup plus gros. Qu'est-ce que tu fais ? Miles, tu vas bien ? Il faut pas que tu restes là. Tu arrives à bouger ? Ouais. Passe par ce couloir. Vite ! T'es presque dehors. Ah, j'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Roxxon. Ah, génial. Maintenant, ils ont des boucliers. Envoie ! On a reçu l'instruction de t'enfermer ! Ils ont reçu l'ordre de te capturer. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Étudier, interroger. Je sais pas, mais je m'en tape. Te laisse pas faire. Lequel qui est blessé? Sur moi, de ce que je vois, c'est vous qui mangez tarif, les mecs, hein. Tiens, toi tu bouffes. Y'en a d'autres ? Avant qu'il en arrive d'autres. Waouh ! Trop cool la technique de camouflage. Comment ça ? Marche. Tu crois à gauche, je prends à droite. J'ai Winter pour le level up. Tu verras. Continue de t'abattre.
Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxxon se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine. Pas étonnant qu'elle te tienne autant à cœur. Mais y a pas que ça. Je dois protéger New York. Sers-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Tu viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spider-Man. Demande-lui en tant qu'ami. Elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Les faits avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il... Il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais peut-être encore une famille. Tu sais ce que tu dois faire. Sympa. Bon, je devrais appeler Finn. Non, non. J'ai le temps d'aller patrouiller. Ouais. Hop. Et on va changer de tenue. Et ben non, je peux pas, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Mais... Tu sais combien d'abonnés t'as gagné depuis que l'appli est en ligne? C'est un truc de malade. J'ai fait des calculs et je sais que tu m'as déjà dit pas de pub, mais on devrait peut-être y réfléchir. Non. Ça marche. Non, t'as raison. C'était juste une idée. Alors, t'as trouvé le téléphone de Finn? Ouais. Mais il a fondu après que j'ai absorbé l'énergie d'un réacteur à Nufo. Quoi? Et t'es pas mort? C'est ce que j'ai cru pendant une minute. Et après, j'ai relâché toute l'énergie dans un genre de mini-explosion. Heureusement que j'ai pas ravagé tout le labo. Ouah, faut vraiment que je fasse une liste de tous les nouveaux pouvoirs. Alors, on fait quoi maintenant? Mon Flaron pense que je devrais dire à Finn que je veux rejoindre l'Underground. Comme ça, je pourrais récupérer le uniforme qu'elle veut utiliser pour faire je sais pas quoi. Wow, tu veux lui mentir ouvertement? Lino sera pas là pour te protéger cette fois, les copains. Fais-moi ce que tu sais faire. Tu vas cracher les dents. Il a morflé, là. Je sens que j'en ai pas encore fini avec la chasse aux évadés. Le Fist Nord est fermé. Il se les pèle comme pas permis. Les gens peuvent pas rester dans la rue. On a acheté un costume maintenant. Alors du coup, lequel c'est? Du coup, ce sera la tenue de Track.